C'est moi, youpi. Donc, j'ai fait un petit dépannage. J'ai expliqué à une dame comment répondre à des mails et envoyer des mails à partir de sa tablette. Donc, du coup, j'ai eu un petit peu de sous. Alors, quand Hélène avait un petit peu de sous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort la voiture. Donc, je suis allée à Action de Chemillé. Alors, bon, j'avais 20 euros. Hein. Bon, j'ai essayé de faire un peu moins de 20 euros quand même. Parce que vous gardez un petit peu de sous encore. Faut attendre le mois prochain sinon. Alors, bah, Action, j'ai fait des petits achats. J'ai regardé les dice. Il y en a, on les a jamais vus. Puis je me demande si on les verra un jour là dans le 49. Il y a bien les grands dice, hein, comme j'avais déjà trouvé, donc ils sont toujours acheminés. Il y a toujours les dice aussi de broderie là. Ça, ils y sont encore. Et puis bah, tous les autres à 3,39. Ben c'est que des anciens, que des anciens, que des anciens. Il n'y a même plus les dice timbres que je voyais la semaine dernière. J'y étais, je crois, en début de semaine dernière. Il y en avait encore. Là j'ai passé en revue les deux petits rayons de ces dice-là. Il n'y en avait pas. Donc je suis désolée pour les scrap copines qui les cherchent partout, partout. Il n'y en a plus dans celui de Chemillé. Et là, je dois attendre le 5 avril. D'avoir de nouveau des sous pour aller voir sur Saumur. Si des fois j'en trouve, bah, je penserai aux copinettes qui n'arrivent pas à en trouver chez elles. Mais voilà, il n'y a rien de sûr. Hein. Donc à Chemillé, bah, comme il n'y a pas trouvé de dice, il n'y en a pas trouvé. J'ai rien trouvé en dice qui m'intéresse. Bah, j'ai pris autre chose parce que revenir sans rien, c'est pas intéressant. Alors ça c'est pas du scrap, je vais faire voir là, j'ai mis deux caméras, donc là-haut ici. Donc j'ai pris des barquettes comme ceci. C'est pour mettre, voilà, quand je fais mon pot-au-feu, enfin pas mon pot-au-feu, mon bourguignon, j'utilise des barquettes en alu comme ça, donc 99 centimes, donc je dis tiens, c'est quand même moins cher que dans le Super U. Voilà, après j'ai pris, alors ça fait très longtemps que je la cherchais. Cette fameuse règle comme ça. Alors ça, c'est dans le rayon bricolage des messieurs. Enfin, il y a les dames aussi qui bricolent. Donc dans le rayon bricolage, là, ils ont remis ces fameuses règles. Donc elles sont métalliques. Et pour découper les cartonnettes ou les calendriers, là, quand on fait des couvertures, donc on peut vraiment bien s'appuyer. Alors je n'ai pas essayé, vous voyez, elle est emballée. Mais j'ai vu sur des vidéos de Luna Création et peut-être une autre vidéo, je sais plus de qui, j'ai vu que ça c'était très bien parce qu'on pouvait vraiment prendre appui dessus et passer le cutter sans trop que ça bouge. Donc ça fait très longtemps que je la cherchais et là je suis trop contente d'en avoir trouvé une. Elles font 50 cm, le 0 il part tout de suite du bord là. Et 50, bon bah ça fait 50 et demi quoi, ça fait 50 et demi. Donc eux ils disent 50, mais bon, il y a 4-5 mm en plus là. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est en centimètres dans les deux sens, donc ça c'est bien aussi. Alors ça m'a coûté la règle 2,88. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvée. Enfin, depuis des mois que je la regardais, enfin que je la regardais pas parce qu'elle était pauvre. Mais je surveillais son arrivée depuis des mois. Et là, quand j'ai vu, j'en prends une tout de suite. Donc hop, je la mets sur le côté, par ici, par là. J'ai pris des petites cochonneries, hein, mes biscuits Oreo. Voilà. Je regarde là-haut, hop là, et ça marche. Donc j'ai pris, ça c'est 84 centimes, alors je sais pas, une fois c'était plus cher, mais je n'ai pas compris. Donc original, 110 grammes, 84 centimes. Je ne les ai pas mangés, eh non. Voilà, toujours dans les cochonneries, on va dire. Hein. J'ai pris une petite tablette Milka. Alors c'est Milka ordinaire, hein, mais c'est 125 grammes. C'est le tout ordinaire.
Elle est où, mon ticket? Elle est là. Donc la tablette Milka, 125 grammes, 1,19€. Parce que comme j'avais que 20€ sur moi et que je ne voulais pas dépenser les 20€ en entier, j'ai pris des petites quantités. D'habitude, je prends ma grosse tablette avec des Oreo dedans. Mais là, ils l'ont mis à 2,59€. Elle était à 2,69€ avant. La grosse tablette, ils l'ont baissée à 2,59€. Bon. Ensuite, dans le rayon bricolage, bah oui, je passe du coq à l'âne. J'ai pris de la ficelle comme ça pour faire mes petits paniers. Je vais essayer d'en faire un avec cette ficelle-là. Parce que bon, on m'a demandé de faire un petit panier dans les couleurs rose et blanc. Mais j'ai pas trouvé de cordelette rose et blanche. J'ai trouvé de la rouge et blanche, mais de la rose et blanche, j'en ai pas trouvé. Il y avait aussi de la noire et blanc. Donc ça, la corde de couleur, non, c'est pas ça. Bah, elle est où cette corde? La dentelle, la corde de jute. Donc c'est celle-là, la corde de jute, c'était 1,49€. Ça, c'est 1,49€ et c'est dans le rayon bricolage. Voilà. Donc dans le rayon bricolage, j'ai quand même pris la rouge et blanche. Ça, c'est 89 centimes, je crois. La corde de couleur sur dévidoir, c'est du 3 mm, il y en a 20 mètres, 89 centimes. Donc j'ai pris rouge et blanc. J'essaierai de faire un petit panier, je sais pas si ça plaira. Parce qu'elle m'a demandé rose et blanc, elle m'a pas demandé rouge et blanc. Donc ensuite, alors dans le rayon pack, en promotion, j'ai pris un sachet Esther Moment œuf pack, 350 grammes, 1,99€. Alors là, ils sont en promotion de la semaine. Hop, hop, hop. Promotion de la semaine. J'ai pris une petite bouteille, c'est pas bien, une petite bouteille de ça. Ça, c'est pas bien non plus, faut pas boire ça. Hein. Me faire gronder encore. Hein. Il faut pas mettre n'importe quoi dans ton corps. Sinon, ça sert à rien d'aller voir le docteur. Hein? Si tu manges ou tu bois n'importe quoi, bah, tu devrais pas aller chez le docteur, qu'a dit la dame. J'avais une envie de lui foutre ma main dans la. Du prophète. Je suis pas comme ça, moi je frappe pas. Mais. J'étais en colère vendredi. Mais j'ai gardé ma colère pour moi. J'ai dit, mais de quoi elle s'occupe, elle? Je fais ce que je veux avec mon corps. J'ai pas le droit de mettre ce que je veux dedans. Puis de toute façon, le médecin, je le vois depuis ma naissance, alors. Hein. Elle mange des graines, elle mange des machins, tout bien, tout comme il faut. Elle boit pas ceci, elle boit pas cela. Ouais, sauf qu'elle a le Covid. Tiens, ça me fait rire. Et moi, je l'ai pas attrapé. Bon, j'arrête parce que si elle tombe sur ma vidéo, elle va dire, bah ça y est. Elle se venge. Ouais, je me venge. Et le téléphone sonne. Sonne. À 1h05, il a sonné cette nuit. Pour de la publicité. Vous vous rendez compte? Alors, 02-55. Bah, continue donc d'appeler. Moi, je réponds pas à ces numéros-là, ils m'énervent. Ça, c'est pour des trucs à 1€ ou je ne sais pourquoi. C'est énervant. Je croyais qu'il devait faire quelque chose là pour empêcher ça. J'ai pris des petits sachets de ruban en dentelle. Donc dans les tons roses, il y a vieux rose, rose, il y a un blanc. Puis là dans les tons comme j'ai utilisé là hier, avec des tons un peu bleu-vert, il y a du bleu, du ou gris, enfin je sais pas. J'ai du mal à voir les couleurs. Puis là, bah, ça, il y a mon suspendoir là-haut. Mon suspendoir, ça s'appelle pas comme ça. Il y a mon truc là-haut qui est clair, donc on voit mal. Donc ça, c'était les rubans comme ça, c'est 94 centimes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 fois 1 mètre. 5 petits rubans d'un mètre. Je trouvais les jolis, là, les petits roses. Là, vraiment très très joli. Et j'ai pris une bobine, mais je me demande si j'ai pas déjà pris une bobine de jaune. Mais bon, comme je sais plus ce que je fais. Alors de la dentelle sur bobine, 89 centimes.
Alors il y a 300 cm, bah, ça fait 3 mètres, hein. Ils peuvent pas mettre 3 mètres. Ah bah 300 cm, bah, faut réfléchir. 3 mètres, ouais, super. Et puis la largeur, c'est du... C'est du quoi, c'est du quoi, c'est du quoi, c'est du quoi. Quoi, 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 quoi. Bon, je sais pas ce que c'est comme largeur. Le jaune, je pense que c'est dans les tons de Pâques, le jaune. Mais maintenant, si j'ai pas déjà acheté une bobine un jour, j'achète tellement de choses. Puis comme je sais pas où c'est rangé, c'est peut-être pas la même que celle que j'ai déjà achetée. Hein. Je trouvais trop joli le jaune comme ça. Si je vous le rapproche. Oula, oh Nidi, oh comme ça. Oh youpi. Les jaunes. Combien j'ai dit? 89 centimes. 89 centimes. Donc comme j'ai pas trouvé de dyes, bah, j'ai pris un... J'ai compensé le manque. J'ai pris ce petit carnet là. Alors c'est... Il est à combien? Il doit être à 94... Non, 99 centimes. C'est des feuilles de... Il y a 100... Il y a 5... Il y a 20 designs. 5 feuilles par 20 designs, ça fait 100 feuilles. C'est du 100 grammes, donc il est très fin. Et c'est... Pas assez texture. La dernière fois, je ne l'avais pas pris. Donc là, c'est du blanc. Ah, il y a du blanc. Là, c'est du bois, mais couleur blanc. Là, c'est le pull de laine blanc. On l'a eu en grand, en 30-30. Là, ça fait un peu marbre. Moi, j'aime bien le marbre. Là, c'est un feuillage. On voit les veines des feuilles, tout ça. C'est joli, ça. Pour faire sur un fond de carte, peut-être. Là, du jaune, enfin du jaune, du je ne sais pas, du je ne sais pas. Là, c'est, on dirait du sable, on dirait du sable. Sur le sable, ça c'est du marbre craquelé, 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 craquelé. Là, c'est une autre couleur sable, mais uni. C'est un truc marronasse, du bois. Donc, hop, 5 côtés bois. 5 côtés bois. Là, il y a un peu comme si c'était du ciment, mais un peu jaunâtre, avec des aspérités, comme un vieux mur. Un vieux mur crépi, mais qui est un peu abîmé. Oui, voilà, c'est mon imagination. Du grisonnant. Du grisonnant. Ah, 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 ah. Là, on a du... C'est peut-être du bois. Ouais, on dirait du bois. On dirait des nervures. Il y a des nervures de bois. C'est une forme de bois. Ah, bois, bois, bois. Là, c'est je sais pas trop quoi. Quand je sais pas, je sais pas. A-I-A-O-U, là c'est un gris, un peu gris, gris salpêtre, gris je sais pas, ça pète tout ça, pète pas, là c'est une autre sorte de bidule, un autre sorte de bidule, là on dirait du cuir, ça fait l'effet, on dirait du cuir, ou la peau d'un animal. Le cuir, c'est la peau d'un animal déjà, le cuir. Un peau de serpent, non, c'est pas de la peau de serpent, non. Du gris foncé. Du gris foncé, puis un espèce de noir. Avec un peu de pas noir dedans, du noir un peu pas tout à fait noir. Du noir avec des traces de je sais pas quoi. Voilà, et c'est fini. Donc ça, ces petits bouquins là, c'est 99 centimes. C'est le seul que j'avais pas pris l'autre jour. Puis du coup, bah, comme j'étais un petit peu déçu de pas trouver les dyes, les petits, les animaux là,
Il y en a un, il y a un chat, chien, renard, je crois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un hérisson. Enfin, sur les deux plaques de Dyes, il y a l'hérisson. Mais il n'est pas fait pareil. Ça c'est deux sticks. Il y a 6 ou 8 petits animaux sur une plaque. C'est arrivé dans certaines actions, mais pas par chez moi. Dusty! Dusty, tais-toi! Et puis, j'ai vu passer sur les halls ce bouquin-là. Ces feuilles-là, j'ai vu passer sur les halls, celui-là. Et notamment sur le hall de Odile M. Donc, quand je l'ai vu sur son hall, j'ai dit, mais il est beau ce petit truc-là. 30-30. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a le nez qui coule. Mais je suis pas malade. Ça, c'est mon oxygène qui fait que j'ai le nez un peu encombré par l'oxygène. Ça modifie, en fait, voilà. Les trucs, les machins. Donc là, j'ai pris parce qu'il y avait tous les petits gâteaux, les cupcakes. Là, bah, c'est le fruit, là. Moi, j'en avais, je l'ai fait arracher. C'était du figuier. Du figuier, des espèces de petites rosaces qu'on fait, là, avec la poche à douille. Ça, je sais plus qu'est-ce que c'est comme fruit. Des petites boules comme ça, je sais plus ce que c'est. J'espère que vous voyez bien. Donc, et avec. Donc, c'est du foil ou. Ouais, c'est du foil. Donc, il y a une page avec du foil, mais là, il y en a. J'en vois pas du foil. Oui, ils ont peut-être oublié. Hein. Donc, là, c'est deux pages pareilles. Après, bah, mon violet. J'adore le violet. Donc, c'est des chevrons dorés. Sur celui-là. Ah bah voilà, il y a du foil là. Ah bonjour les yeux. Violet avec du foil. Ça c'est du vert. Du vert avec comme si c'était des petites bulles ou voilà. Là c'est avec du foil. C'est vert mais avec du foil. Là c'est trop beau ça. Il y a des donuts, des parts de gâteau, des cupcakes. Différents cupcakes, il y a la glace qui est tombée sur la tête du petit bonhomme. Donc ça, c'est trop joli. Donc ceux-là, en fait, ils ont pas, je vois pas le foil. Ou alors c'est vraiment très discret. Parce que franchement, les deux pages, là, je les trouve pareilles. Il y a des bonbons. Voilà, des lollipops. Donc un beau violet comme ça. Avec d'autres sortes de chevrons. Et là, avec du foil. Là, je trouve que ça fait trop foil. Mais bon, on n'a pas le choix. Ils nous mettent une page de foil de temps en temps. Là, bon, un petit défaut, là. Du vert. Du vert quadrillé, on dirait comme si c'était un matelas dans le temps. Un matelas dans le temps. Là, avec du foil. Quadrillage foil. Là, celui-là, c'est des entrecroisements de cercles. C'est joli, j'aime bien. Et là, c'est la même chose, mais avec du foil. Foil. Là, c'est du violet avec des petits... Comme des petites fleurs. Vous savez, les fleurs... Je sais plus qu'est-ce que c'est comme fleur. Enfin, c'est une fleur que quand elle est finie de fleurir, on souffle dessus, puis ça s'envole. Là, ça fait les graines s'envolent. Ça me fait penser à ça. Puis là, bah, c'est avec le foil. C'est la même chose, hein, violet avec les espèces de petites fleurs là. Mais elles sont foilées. Là, c'est du vert avec des petits points. Et là, c'est du vert avec des sortes de petits points de différentes formes. Ils sont pas ronds, les petits points. Ils sont un peu, on dirait, moitié triangulaire, moitié je sais pas quoi. Vert avec du foil. Alors là, le joli cœur, en forme, le gâteau en forme de cœur. Là, éclair au chocolat avec des petites framboises dessus. Il y a des macarons.
Il y a des cupcakes, des parts de gâteau, tout ce qu'il faut pas pour ma maman Hélène. Hein. Ah bah ouais, hein, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais bon, là, c'est que du papier, ça se mange pas. On a le plaisir des yeux. Mais on n'a pas les kilos. Donc voilà. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai une idée. Après, ça mettra peut-être plusieurs années avant que l'idée se transforme en réalisation. Vu que je suis très lente. Parce que l'année dernière, avec ma cousine, on a été manger au restaurant pour mon anniversaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je m'en rappelle très bien avec ma cousine Céline et puis ma sœur, bien sûr. Ma sœur Mimi. Donc j'ai des photos de cet anniversaire-là qui sont toujours pas... sont dans une pochette, quoi. Donc je me dis, bah, comme je suis gourmande et puis que c'était mon anniversaire, j'essaierai bien de faire... Je ne mettrai pas forcément toutes les photos, mais essayer de faire un mini album avec ces papiers-là. Donc j'ai une idée, il faut que j'attende d'avoir des sous parce que j'aimerais bien faire le système de Maryse Doudoune, Salmon, si vous avez vu ses vidéos, avec les anneaux, parce que j'en ai acheté moi au mois de janvier là, mais il me manque le dice pour percer les trous là, dans le... parce qu'elle en plus elle a fait voir en vidéo comment faire, donc il faut plus que, au mois d'avril là, il faut que je commande le dice pour pouvoir faire un petit album pour mes 54 ans de l'année dernière, avec les photos de l'année dernière. Et moi, comme j'adore tout ce qui est gâteau et tout ça, puis j'adore le violet, j'ai dit c'est celui-là qu'il me faut. Parce que l'autre fois, j'avais acheté pour les 70s, là, ou je sais plus, là. Mais ça peut toujours servir, hein, un bloc peut toujours servir. Parce qu'il y a, je sais pas si on fera la fête, mais bon. Mon grand frère prend 60 ans cette année, mais est-ce qu'on fera la fête, je sais pas. Donc si je fais je pourrais faire un album aussi. Mais bon, faut pas faire que de le dire, faut le faire. Là, je passe du coq à l'âne. I-an, i-an, i-an. Donc, du verre et des feuilles foil. Feuilles foil. Des feuilles foil. donc là, hein, parce que je continue de tourner mes pages et puis je discute en même temps. Là, bah, y a les ballons, ça fait anniversaire, il y a les petits gâteaux, ça fait très anniversaire ça. Une page comme ça, il y a deux pages, donc là, je les coupe à fond 30,5 par 30,5. Ça me fait une, deux, je pourrais faire quatre pages comme ça. Après, je pourrais mettre une comme ça avec une comme ça, enfin bon, il y a des alliances à faire. Là, c'est du violet avec des espèces de... Comme c'était peut-être des arcs-en-ciel sur du violet. Il y en a qu'une là. Là, une feuille verte avec des triangles. Et là, une feuille verte avec des triangles foil. Et là, c'est le carton. Donc voilà, ça c'est le Life is Short It Dessert First. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Donc voilà, c'était mon petit, un tout petit haul action. Je suis contente d'avoir pu y aller aujourd'hui. Parce que normalement, cette semaine, je n'avais pas prévu de sortir. Donc je me suis dit, allez, je fais une petite sortie là ce midi, vite fait. Donc c'est pour ça que je suis allée à Chemillé, parce que c'est le moins loin. Et puis, voilà. Donc maintenant, je vais me remettre, pom-pom. Je vais me remettre dans mes créations parce que je suis en train de réfléchir, de créer différentes choses. Je fais pas tout en vidéo. Pour l'instant, là, je fais un truc. Je vais voir si j'arrive à le faire. Parce que j'ai regardé une vidéo, voilà, j'ai vu comment elle faisait. Maintenant, j'essaye de faire, mais avec mes dimensions à moi. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il faut calculer. Donc, s'il est réussi, je vous le ferai voir. Et puis, si vous voulez que je le refasse en vidéo... Ça sera pas un souci, je le referai en vidéo. Pour l'instant, je le fais comme ça, sans vidéo, pas sans stress. Sans stress. Et je continue de faire mes petits paniers pour Pâques. Et puis, je fais du tricot et je fais plein de choses. Donc, je vais vous dire à bientôt. Je vous fais plein de scrap bisous. Et je vous dis à bientôt, les copains, les copines. Scrap bisous!